Le président turc est venu apporter son soutien aux autorités ukrainiennes à Kiev. Lors de cette visite officielle d'un jour hier, Recep Tayyip Erdogan a offert un prêt de 46 millions d'euros pour aider Kiev à couvrir son déficit budgétaire. Il a également exprimé son soutien en faveur de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. J'aimerais remercier le président Erdogan de soutenir l'Ukraine dans les efforts en vue d'obtenir une mission de maintien de la paix de l'ONU pour une désescalade de la situation dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le président ukrainien Petro Poroshenko. La Turquie prend toutes les mesures nécessaires pour maintenir la paix dans la région de la mer Noire, sur l'eau, sur la terre et dans le ciel, a souligné le président turc. En tant que membre de l'OTAN, nous prenons toutes les précautions nécessaires et nous sommes prêts à agir contre toutes les menaces. Erdogan a également appelé l'Ukraine à maintenir sa position en matière de protection des minorités religieuses et ethniques, en particulier les Tatars de Crimée. La Turquie se rapproche de l'Ukraine économiquement, dit notre correspondant. Le libre-échange, le partenariat stratégique et le soutien aux Tatars de Crimée sont des enjeux majeurs entre Kiev et Ankara. La coopération entre les deux pays s'intensifie chaque année. Nous verrons les résultats dans le futur. Dmytro Polonsky, Euronews, Kyiv.